Parce que si vous voyez là, ça va être très compliqué. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, quand vous voyez la carte, le Sénégal sera isolé de la Côte d'Ivoire et des autres. Donc, ça va être tellement compliqué de parler encore de la CEDEAO. Parce que si les trois là se mettent ensemble, je ne sais pas comment on pourra encore parler de la CEDEAO. Bonjour les amis, ici c'est Justin et bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée en inbox par un abonné qui voulait savoir quelle est ma grille de lecture par rapport à cette situation de fédération entre le Mali, le Burkina et la Guinée. Et je me propose alors de faire une vidéo ici pour que vous également vous puissiez m'entendre et vous également donner votre point de vue en commentaire. De ce fait, je vais tout simplement vous présenter ce que moi je pense et vous également dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'abord, avant de comprendre ce qui est en train de se passer, il faut comprendre aussi l'histoire. Comprendre l'histoire, ça veut tout simplement dire qu'il faut remonter aux sources, il faut remonter aux origines. Et aux origines de la révolution, il y avait les pères même de la révolution. Et les pères de la révolution, vous les connaissez, Sékou Touré en Guinée-Conakry, Thomas Sankara au Burkina Faso et Modibo Keïta au Mali. Tous ces trois hommes que vous les voyez là, ils ont encommé la révolution. À commencer d'abord par Sékou Touré. Alors le plus âgé c'est Modibo Keïta ici, mais je vais commencer par Sékou Touré. Sékou Touré était l'un des premiers à dire non à la France. Vous vous rappelez en 1959 lorsque Général de Gaulle est parti de la Guinée tout en colère, brûlant tout derrière lui, arrachant tous les câbles, voulant détruire tout ce qu'il a construit pendant les indépendances, envoyant des faux billets par hélicoptère pour inonder et vraiment détruire l'économie de la Guinée. Vous vous souvenez, c'était Joseph Kizerbo, l'un des rares intellectuels de l'époque, qui avait envoyé d'autres intellectuels pour soutenir Sékou Touré pour traverser cette crise-là. De Gaulle est arrivé au Sénégal, accueilli et a fini par proclamer les indépendances du Sénégal le 4 avril 1960, juste quelques mois après. Pendant ce temps, il y avait également de l'autre côté les intellectuels de la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny, ainsi de suite. Malheureusement, les rares qui ont, ou bien pour dire que le rare pays qui avait soutenu vraiment la Guinée, c'était le Burkina Faso. Le Burkina Faso également a activé, était très actif auprès de Modibo Keïta lorsque Modibo Keïta lançait le franc malien en 1962. Donc c'est historique, ces trois nations que vous voyez, qui ils ont toujours collaboré ensemble. Au-delà de cet aspect historique où ils se sont toujours soutenus entre eux, ces trois hommes ou bien ces trois pays, il y a également les mêmes peuples un peu partout. Vous rencontrez à peu près les mêmes peuples en Guinée, les mêmes peuples se retrouvent encore au Mali et vous allez retrouver le même peuple un peu au Burkina. Donc, le peuple dit que de ce côté de l'Afrique, je vais vous présenter tout à l'heure la carte, la nouvelle carte de cette fédération, vous allez voir tout à l'heure, ce sont des gens qui se retrouvent plus ou moins ensemble. Sékou Touré avait dans son ADN déjà la révolution. Et aujourd'hui, quoi que vous dites, que vous acceptez ou pas, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez toujours une partie de vos ancêtres en vous. Je ne sais pas comment vous en convaincre de cela, mais c'est comme ça, vous avez toujours une partie de vos ancêtres avec vous. Par exemple, si vous prenez les Guinéens, je vais prendre le cas des Guinéens. Les Guinéens, en chaque Guinéen se met quelque part un Sékou Touré. En chaque Burkinabé, il y a une partie de Thomas Sankara. Et en chaque Malien, il y a une partie de Modibo Keïta. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on va faire, il y a des millions de Thomas Sankara qui sont là au Burkina, qui ne se sont pas juste encore déclarés. Il y a des millions de Sékou Touré qui sont là en Guinée, qui ne se sont pas tout simplement déclarés. Il y a des millions de Modibo Keïta au Mali qui ne se sont pas tout simplement déclarés. Donc, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, aux yeux du monde, c'est tout simplement les gènes de Thomas Sankara, de Sékou Touré et de Modibo Keïta qui est en train de refaire surface. Et d'où, aujourd'hui, on a par exemple ceux-là qui sont comme aujourd'hui des ils sont comme juste une vitrine, mais c'est ce que le peuple, c'est ce qui est en réalité au fond, le Mali, le Burkina, la Guinée, voilà, c'est tout simplement ce qu'il y a au fond. Donc vous prenez Assimi Goïta, c'est le reflet de ses ancêtres, c'est le reflet du Mali qui n'a toujours pas voulu se soumettre. Mamadou Doumbouya, c'est le refus également d'un Sékou Touré qui ne voulait pas se soumettre. Ibrahima Traoré, c'est le refus d'un Thomas Sankara. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout simplement
une conséquence d'une histoire. Donc, c'est les faits, je parle des faits. Maintenant, personnellement, je vais donner mon point de vue. Et pour donner mon point de vue, j'ai reçu quelques informations ici à ma possession qui ne sont pas encore officielles. Donc, je vais me réserver le droit de divulguer certaines informations ici. Mais je vais vous prendre des cas factuels, je vais prendre des situations assez factuelles, des faits, pour que vous voyez et appréciez vous-même. Actuellement, sur les trois pays, vous prenez d'abord le Mali. Vous prenez le Mali qui est actuellement... Le Mali a une superficie de 1,24 million de kilomètres carrés avec une population d'à peu près 22 millions. De l'autre côté, vous prenez le Burkina Faso qui est à peu près également 22 millions de population. La Guinée qui vient après à peine avec 14 millions de population avec des grandes surfaces. Le Mali a 1,24 million de kilomètres carrés. Et de l'autre côté, la Guinée également qui n'est pas petit, à peu près les mêmes surfaces que le Burkina. Et lorsque vous mettez les deux ensemble, vous voyez qu'on se retrouve avec une superficie de cette fédération. Donc, si les trois se mettent ensemble, on sera à 1,760,257 km² avec une population qui va avoisiner certainement les 60 millions d'habitants. Quelles seront donc les conséquences d'une telle fédération? Les conséquences positives, il y en aura beaucoup, mais également des conséquences négatives. Des conséquences positives, c'est que cette fédération va devenir la puissante fédération et le pays le plus puissant de cette zone-là. Et d'ailleurs, j'allais même dire de l'Afrique, parce que ça va devenir le plus grand pays avec à peu près 2 millions. Donc c'était le Soudan, mais depuis que le Soudan est divisé par deux en termes de superficie, cette fédération deviendra alors le plus grand pays d'Afrique. Ensuite, En matière d'économie, ce qui faisait en sorte que le Mali et le Burkina dépendaient beaucoup plus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, c'était au niveau de leur accès au port. Donc, ça va être juste un problème résolu avec la Guinée. Donc, toutes les marchandises du Burkina Faso vont transiter tout simplement par la Guinée, le port de Conakry, qui vont passer par le sud du Mali et arriver tranquillement au Burkina Faso. Et comme ça deviendra une seule... fédération, on va arriver à un stade où ces pays-là, vous voyez, monstre grand, va affaiblir la CEDEAO et va diviser la CEDEAO déjà en deux parties. Parce que si vous voyez là, ça va être très compliqué parce qu'au niveau de la CEDEAO, quand vous voyez la carte, le Sénégal sera isolé de la Côte d'Ivoire et des autres. Donc, ça va être tellement compliqué de parler encore de la CEDEAO. Parce que si les trois là se mettent ensemble, je ne sais pas comment on pourra encore parler de la CEDEAO. Parce qu'il y a un pont déjà qui se crée à ce niveau. Bon, c'est pas un pont, mais il y a une rupture karma qui se crée à ce niveau. Donc, comment cela pourra être fait? La Guinée, Bissau et le Sénégal seront coupés du reste de la CEDEAO. Donc, ça va être tellement compliqué. Voilà pourquoi il y a même des réactions du secrétaire général de la CEDEAO qui n'était pas du tout content. Donc, ça va arriver. Ça, ce sont des conséquences négatives. Et qu'en est-il actuellement de la puissance comme la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire ne sera pas du tout très, très affaiblie, mais va quand même subir quelques conséquences. Déjà, ce que je vais dire également, il faut comprendre tout simplement que avec cette fédération, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso vont former un seul peuple en fait. Parce que ça va être tellement facile de transiter du Burkina, aller jusqu'au Mali et ça deviendra une seule fédération. Moi, ma question, et d'ailleurs, ça c'est mon analyse personnelle, je vous pose la question, vous allez vous également me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comment va se gérer cette fédération ? Qui sera le président de cette fédération? Comment vont s'organiser, par exemple, la capitale principale de la fédération, la capitale économique, la capitale politique, tous les aspects juridiques, les aspects qui vont être diplomatiques, les aspects économiques, comment ça va se gérer? Donc, je vous attends, vous également, à me dire dans les commentaires, quelle est, selon vous, votre analyse de cette situation-là? Qu'adviendra-t-il de cette situation-là? Donc, je vous attends, vous également, dans les commentaires, à me dire, vous également, quelle est votre grille de lecture par rapport à cette situation. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.